de la voiture Renault, Renault de la couleur verte, 99 ou 99 D 40260, si tu es ici parmi nous, va prendre ta voiture, va la parquer de l'autre côté. Renault, Renault couleur verte. Nani oyo azamu kolo ya voiture Renault ya couleur verte a parka ki liboso awa alongola yango noki. Renault couleur verte. S'il vous plaît, vous allez nous excuser en ce qui concerne le parking. Nous avons un problème, surtout avec les voisins qui viennent d'arriver, les sapins qui commencent leur business, et ce qui fait qu'ils nous posent de problèmes pour le parking. Et je demande à toute personne qui a parqué de l'autre côté juste de prendre sa voiture et de la parquer, n'est-ce pas, de l'autre vers le fin fond. Nous avons sur cette avenue, il y a des parkings vides. Si tu sais que tu es propriétaire de la voiture Renault, Renault couleur verte, l'immatriculation 99D, 99 pour le belge, vous le français 90, 99D4260, et vous pouvez prendre la voiture et aller la parquer de l'autre côté. Nous ne voulons pas après la fête, nous sommes dans un temps de joie, et après la fête, il y a de contrefaçons, et tu sors triste, il y a le 100 euros qui vont sortir. Et je veux que le 100 euros que tu les gardes pour bénir nos bien-aimés. Amen. Alors il faut bien garder le 100 euros pour nos bien-aimés. Va vite prendre ta voiture et la parquer de l'autre côté. Et ceux qui ont aussi parqué juste en face des voitures, je vous demande de prendre vos voitures, de les arranger. Nous bénissons le Seigneur et nous voulons saluer tout un chacun qui nous suit de part et d'autre. Nous savons que notre service de cet après-midi est en direct sur notre télévision Christ the Workers in Mission TV Online. Et je sais que toute la famille de notre bien-aimé Papa Félix et Maman Mimi sont en train de nous suivre. Ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui sont en train de nous suivre en direct dans notre chaîne TV Online, Christ the Workers in Mission. Et nous bénissons les seigneurs pour ceux qui nous suivent. Nous vous bénissons. Est-ce que vous pouvez quand même dire, saluer quand même vos bien-aimés, ceux qui vous suivent là-bas? Amen. Et nous bénissons les seigneurs, vous qui ne pouvez pas être là avec nous. Ici, nous sommes dans l'église des ouvriers avec Dieu à mission, et nous savons que vous êtes bénis là où vous êtes. Nous bénissons les seigneurs cet après-midi pour ce mariage. Vous savez, le mariage, c'est toujours un temps de joie. Il y a tout le monde danse, tout le monde est, n'est-ce pas, attend qu'est-ce que le Seigneur va me parler cet après-midi. Je crois que pour ne pas tarder, je sais que nous voulons tous écouter de la part du Seigneur. Mais cet après-midi, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Ephésiens, chapitre 5, versets 22 à 28. Je sais que tout un chacun me dira que d'écouter, ça c'est une parole que nous écoutons, parce que chaque fois quand nous allons dans un mariage, mais nous bénissons le Seigneur, même si vous l'avez écouté plusieurs fois dans le mariage, je sais que le Seigneur, peut-être aujourd'hui, il peut vous parler d'une façon différente. Amen. Je veux que tu tournes à la personne qui est à tes côtés et dis que tu seras béni aujourd'hui. Dis-lui, tu seras béni. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Ephésiens, chapitre 5. Je disais versets 22 jusqu'à 28. Vous allez nous excuser, aujourd'hui il y a eu beaucoup d'activités, n'est-ce pas? Et nous sommes saccadés de part et d'autre. Et nous bénissons le Seigneur pour tout. Et aussi nous voulons présenter nos excuses, parce qu'en principe, on devait commencer à 14h. Et je crois que nous étions déjà en ligne depuis 14h. Et vous nous excusez, même ceux qui peut-être ils sont en train de nous suivre peuvent aussi nous excuser. Vous savez, donc, il y a une circonstance.